RDC Monde Télévision. Soki to lobby ke Kabila zo bloqué Félix, ba te bele ba zo ndimaté, ba zo monoka ke ba aventure. Mais le konini mabunda na tambo mwamba ba gena ki kuna ko sala na kati ya kinga kati avant rentrer parlementaire. Évariste Boshab, probable le premier vice-président ya CENI, parce que bientôt là, CENI bazo modifiango. Évariste Boshab, candidat, premier vice-président. Tout peut être sur le sol, il y a un peu de temps pour moi. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, où il y a représenté l'institution, mais il y a devant l'autorité morale de Bango pour que je suis en train de me dire base de quoi sous base de Zanini, la région Zanini, où Kabila a aussi en train de me la session parlementaire où il y a vous le suivez partout sur RDC Monde. Merci encore une fois de plus pour la fidélité. Merci pour la confiance. Chers abonnés, chers internautes, chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. En tout cas, nous savons toujours que vous abonnez. Pourquoi? Parce que Awande Masola politique, Awande Liziba politique, la vraie politique, la politique pure et simple de la RDC. Donc, nous avons toujours Awande RDC Monde. Merci à papa, merci à maman, au la Nabiso, au Bosa, en sorte que notre RDC Monde Mata, du jour au lendemain. En tout cas, tous les gens, merci. Vous continuez toujours au Salabongo. Mais ce qui se passe dans notre pays, parfois ça nous fait mal, parfois ça dérange aussi Bisso, génération Sigao Toya, pour diriger notre pays. Comment est-ce que le pays fonctionne? Une personne, Kabila, qui appelle Mabunda et Tamoumamba pour leur donner les instructions pour la. Rentrée parlementaire ou salé macalamité, mais c'est grave. Donc c'était une date il y a et tout le macalamité que Joseph Kabila a réussi sa célèbre ferme de Kingakati, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est à quelques jours de la rentrée parlementaire selon une indiscrétion. L'autorité morale des fonds communs pour le Congo FCC et ses interlocuteurs ont parlé des enjeux politiques de l'heure. Pour ce faire, le président honoraire a demandé à Jeannine Mabunda et puis à Tambwe Mwamba d'être vigilants et que rien ne leur échappe. Peu importe Kabila peut demander que non, Mabunda et Mwamba peuvent être vigilants, nous savons que ici au Congo, dossier à dissolution, il y a parlement, ça a déjà nommé ça. Donc le président de la République va dissoudre le parlement. Ils ont déjà nommé ça. Quand le président Félix était aux États-Unis, c'est parmi déjà Babylon ou BBC et déjà Salim. Donc Kabila, a pour bloquer la situation, mais il faut changer le côté. Donc le chef de l'État est déterminé. Et puis, toujours, on a soutien aux États-Unis d'Amérique. Au moment où il y a une dissolution pour Salim avant la fin de cette année. Parce que Salim parmi Babylon ou BBC, le chef de l'État, ça là. Donc, il est obligé de le faire. Pour Tamboula bien à diriger Mbokamalam. Alors, la pression parlementaire, la session parlementaire par l'heure de mars s'ouvre le 15 mars prochain. Donc, c'est 15 mars ici. Vu les microscopes politiques de l'air, cette première session de l'année risque d'être très agitée. Là, ils allaient banaliser au baso ça, la politique, au baso analyser par fait automona. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, sur la table du président public, dossier à dissolution. Kabila aussi ne veut pas. Pourquoi? Parce que gaz n'a aussi là. Alors, dans la majorité, c'est trop beau. Mais le député peut belé, il y a le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale parce que le député belé, il y a un chômeur. Le député belé, il y a un chômeur. Il y a un député belé, il y a un président de la TV, tout comme ça. Parce qu'ils savent que non, les gens vont dissoudre l'Assemblée nationale, ils vont devenir des chômeurs. Tout le temps, il y a un chômeur. Il y a un chômeur. Il y a un chômeur. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, session parlementaire, Ouzoya et Rosa Penza, Makassi, avec les spectres d'une dissolution du Parlement qui avait défrayé la chronique, autant qu'elle avait alimenté la polémique lors. Il y a chef de l'État à Londres, Ndenga Lobara, qui non, il faut me ramener à Salima. Il nous revient de sources concordantes que cette menace, mais cette option évoquée par Félix Tshisekedi, reste suspendue.
comme une épée de Démoclès. D'ailleurs, les porte-paroles de l'ancienne majorité présidentielle, l'ambassadeur Atundu, l'a dénoncé dans un point de presse insolite. C'est pour parer à toute éventualité que le président honoré Joseph Kabila a échangé avec les deux présidents des chambres parlementaires avec une instruction ferme de les inviter à rester vigilants afin de rien échapper. Donc, Kabila aussi, à moins que Mabeza Roya, contrairement à ce que les gens parlent, que non, c'est Kabila qui dirige. Kabila ne dirige pas, mais Kabila bloque. Kabila bloque l'évolution de notre pays. Donc, Kabila ne dirige pas. Il bloque parce qu'il a la majorité. Il y a un moment où a bengi si basi abasali nae ma bunda na tambo mwamba pour te permettre un peu qu'on soit encore vigilant. Mais attention, il y a aussi ma bunda autour qui est Goma, autour qui est Est, kuna. Lui-même ma bunda dit que non, il faut rester na la vision mon konzamboka. Alors rester na vision mon konzamboka, mais yemo soit beni sous osasu maramususu et ça la ma propreté. Donc il faut noter qu'à l'interne comme à l'externe, Félix Tshisekedi est sous pression tant des militants de son parti, l'IDPS, qui est de Washington, afin de mettre fin à la coalition FCC avec Kabila. Donc, il y a une que non, rencontre, il y a Mike Pompeo, na Félix, na Washington, na table, il y a un dossier, il y a dissolution, il y a l'Assemblée nationale, et puis il y a séparation, il y a Libala, il y a FCC cash. Donc, parce que les Congolais, Bélé, Balingangote, et aussi les militants de l'IDPS, Balingangote. Par contre, on ne peut pas diriger l'Assemblée nationale, le Sénat et tout qu'on soit. Il ne faut pas rappeler le roman que non. Vous en avez prononcé la population. On a plein de libres, il faut retenir la population non, et donc retenir l'autorité morale. Ça nous fait mal. Pourquoi vous devoir d'abord un docteur, docteur en plusieurs titres académiques, mais sans y a humanisme ezati, sans y a kibomoto ezati, amour y a Congo ezati, mais intérêt personnel des autres. Ils ont prôné. Kabila est déjà milliardaire. Mais qu'est-ce que Kabila avait encore du Congo? Qu'est-ce que Kabila avait encore du Congo? Qu'est-ce que Kabila avait encore du Congo? Le président Félix, la population, ils ont osé la dissolution. L'Assemblée nationale, voilà. La population, ils ont osé la dissolution. Je vous dis, d'ailleurs, de ces montres, ceux qui le local à dissolution, les Salimi, le président Félix, peut-être 60-60%, il y a majorité de la population, alors qu'on maintenant à 80%. Parce que, tout le monde est Kabila. Mieux vaut de voir Félix avec Fayoulou, moi je suis d'accord. Mieux vaut de voir Félix avec Fayoulou. Mieux vaut de voir Félix avec Jean-Pierre Bemba. Au moins ils étaient dans l'opposition. Bah, ça les combat ensemble. Mieux vaut de voir Félix avec, avec Moukébaï, avec Moubaké. Hein? Et ça, là, moi l'homme va bien que de voir Félix avec Kabila. Parlons maintenant à faire comme on a sa peau. Oyo, Lélo. Les Congolais sont en Bakoufa. Je suis en 2016. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de bêta. Des choses. Je suis en train de faire combattants IDPS dans le siège. Je suis en train de faire des choses. Et Bélé. En 2011, l'élection est légale. Tout ça, mais pourquoi nous devons toujours protéger Kabila? Le chef de l'État, côté Wana, les Congolais, ba osi la yo pour au salamaramba kitoko pour la mboka na biso pe changer. Tout le long de Séni, où tout le monde qui est Lélo, Evariste Abouchab, a sali parmi Bato Baza cité pour nous remplacer Norbert Basengezi. Nakati a tête, il y a Séni. Parce que les présents, il y a Séni jusque-là, non, tu es toujours soupçon, là, mais au moins, Evariste Abouchab, déjà, va cité comme étant candidat, tout comme étant Mouto Barotine dans la majorité pour à représenter Bango, étant que premier vice-président, il y a. Il y a Séni. Alors, constaté par la rédaction des Dynamiques Info, là c'est John Lungi, là, sur les rumeurs autour de sa désignation comme premier vice-président au bureau de la Séni, le sénateur Evariste Abouchab a démenti avec la dernière énergie cette folle rumeur, qui du reste est issue des laboratoires de ses détracteurs mal habitués à montrer des coups contre le lit de Mweka dans le but de désorienter ses révélations. Alors, la fidélité et la loyauté du professeur Evariste Abouchab à Joseph Kabila continuent à donner des insomnies à ses adversaires qui ne cessent de multiplier des stratégies pour la nuire et les faire haïr à sa famille politique ainsi qu'à son autorité morale, Joseph Kabila. L'honorable Evariste Abouchab s'est dit ne pas être surpris d'apprendre un tel mensonge visant à désorienter l'opinion. Il invite l'opinion à s'y méfier totalement. Il dit ceci.
Je n'ai jamais été contacté pour assumer les fonctions du premier vice-président au sein du bureau de la CENI, ainsi dément les lits de Mweka. Donc, moi, je n'ai pas battu. Je suis un candidat, premier vice-président à la Sénat, mais candidat premier vice-président à Sénat, mais en soi quitté. Est-ce que ça récompense ou que je vais payer la CENI? Peut-être que ça récompense, mais je vais payer la CENI. Parce que déjà, je suis en soi quitté déjà. La CENI en soi quitté. Je suis en CENI pour que je suis à travailler, je suis en gagner la majorité dans. On a l'élection, ce qui le président Félix a dissoudre l'Assemblée nationale en gros. Tout, on a l'élection 2023, ben, on a dit qu'on trichait. Mais la population a mis sous le couloir, la population a éveillé dans le degré de zéro. Donc, pour moi, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Alors, le président Félix, ce qu'il dit, face à un dilemme, par rapport d'abord à la nomination, il y a un mandataire public, bientôt là. Donc, si le 15 mars déjà, le mandataire public, il y a un bima. Il y a que les entreprises OYO, DG, PDG, comme étant provisoirement, pour remplacer Bango. Alors, le dilemme de Félix Tshisekedi face au processus de nomination des mandataires de l'État. Il n'est un secret pour personne que les membres du comité de suivi de la coalition politique FCC-CACH ont repris depuis quelques jours les négociations autour du partage des responsabilités au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Est-ce qu'une autre heure du partage du gâteau a sonné? Après avoir partagé le gouvernement, c'est maintenant le tour de partager l'entreprise publique. Cette question d'intérêt capital n'est pas laissée indifférente à les compatriotes souciés de voir les changements réels intervenir dans l'approche des désignations des mandataires de l'État. C'est ça. Donc, le président Félix, la population a besoin d'un mandataire et d'un salam moussa, l'olenge et l'ongobani. Mais surtout, tu es venu à Molikana Onatra par rapport à Kimbembe Mazunga, par rapport à Daniel Mkoko Samba. Donc, Baza et Belé, tu as vu comment est-ce qu'ils ont géré les entreprises publiques. Tu as vu comment est-ce qu'India Omari a géré au Jeffrey. Tu es venu à Soana. Quand tu as dit que Baza et Belé ont géré l'entreprise publique, mais ils gèrent le lingue et le mobanité. Ils ne gèrent pas comme il faut. Pourquoi? Parce que. Et à qui n'est pas intérêt, vraiment personnel, n'est pas n'est pas comprenez, au lieu qu'il va viser intérêt, il y a population congolaise Mobimba. Donc, côté un chef de l'État, il faut d'abord que tu aies un animateur haut et basse performant, un animateur haut et basse à souci en boca, un animateur haut et basse à l'année population, au lieu qu'il va coïncider en bon goyal, il y a population, il va poser au bazaran. En tout cas, Bandeau Balandi, n'a moins l'autre soukara, n'a pas traité politique, n'a pas les lots. En tout cas, vous avez bien le Bolandi Bisso. Merci, vous continuez toujours pour l'Andabiso. Les Congo, donc il faut que Congo ensemble. Bon, on a que non, changement et Zoya. Changement et Zoya, pourquoi? Parce que Torokoma, fin de l'année, était dissolution à Parlement et au Salam. Ils ont parmi Bakor au président signé na secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Donc, dissolution et à Parlement, c'est pour ça Kabila. A bien si batona mbangu poye bisabango ye boye babo fungola miso mabezoya oui mabezoya donc il y aura changement. En tout cas, vous nous avez suivi de partout, merci pour la fidélité, merci pour la confiance, restez branchés sur RDC Monde. Je salue madame Pauline Lumumba, je salue encore Jérôme Miguel Willingimbi, je salue aussi Arzot Mwaka na sima caméra et puis na montage. Quant à moi Rems Mwamba, je vous dis un grand merci de côté de Mbalasima. Bye, à la prochaine, vous s'abonner toujours, vous s'abonner, bye.